Bonjour, bonjour, c'est Nono. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bras de fer depuis... pas fait depuis 3 semaines. Donc, j'avais dit la dernière fois que je les ferais avant de tourner, mais en l'occurrence, cette semaine, je n'ai pas le temps, parce que je suis en festival, donc quand vous verrez la vidéo, le festival sera fini, mais comme on la tourne un samedi, et ben, mon festival dure jusqu'à dimanche, donc pour l'instant, c'est rush toute la semaine, et du coup, pas trop le temps de faire autre chose entre le travail et le festival. Donc du coup, j'ai quand même pris le temps de le lire, et comme il fallait créer un deck, j'ai quand même créé le deck avant de tourner. Donc, pas le temps de traîner ses soldats, jouer des serviteurs, leur confère charge et provocation. Et oui, c'est le mulligan. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Donc, du coup, j'ai choisi prêtre. Donc, j'ai mis des sorts comme... je me suis dit... Enfin, comme toutes les créatures vont être avec provocation, je me suis dit, je vais mettre des sorts qui attaque directement le héros. Comme ça, ça va peut-être faciliter le... Le jeu, on verra bien, hein. J'ai fait ça un petit peu vite fait à l'arrache, donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, en espérant que tout se passe bien. Et à la fin de la partie, comme c'est... y a un événement en fait, je sais plus exactement quoi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ils nous ont offert 4 boosters, et comme j'avais assez de sous sur le jeu pour en acheter un, je vous aurai une ouverture de 5 boosters. C'est cadeau de la maison. Donc du coup, la lumière nous apportera la victoire. C'est parti, je commence. Ça, je vais pas en avoir besoin pour l'instant, j'ai pas prévu pour ça. Copier une carte. 4, on va l'enlever. Bon, c'est vraiment ce que je respire avoir, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai mis des cartes aussi, j'en ai pas beaucoup, j'aurais dû en mettre plus que ça. Des cartes qui invoquent des créatures comme ça, bah quand tu les poses, hop, ça invoque et tu es tranquillou. Donc oui, elles ont charge aussi, donc ça c'est pratique. Puis il n'y a rien encore en face, donc je peux déjà l'attaquer. Et mes sorts coûtent un cristal de moins. Donc ça j'ai rien à faire. Mais pour l'instant, je ne veux faire que ça, donc ça va partir là-dessus. Ça va rester comme ça. En fait, j'aimerais garder le double des points de vie pour l'ogre, parce que du coup, il y aura 12 points de vie. Et donc, ça peut être pas mal. Oui, d'ailleurs, que les questions sont un peu débiles. Mais comme quand elle meurt, elle invoque, j'ai dit que ce serait bien, je sais quand même de la pitre. Travail terminé. En fait, je viens de me dire, mais du coup, t'as un putain de gros avantage quand tu commences. Du coup, parce que tu tu baisses bien les points de vie de l'autre avant, avant que ça se termine. T'as des esprits à côté de moi. Oh non, il a la même que moi en face. J'y crois pas. Ah putain. On va mettre ça. On va faire ça. Comme ça, je l'ai pris à... Là, ton retour. Ouh. Il y a un cul dans ton retour. Ah bon? Là, dans ton retour quand même. Oh oui. Twerk. J'ai vu une belle paire de fesses. Qu'est-ce que je fais? Je lui mets 2 dans la tête ou je fais ça? Je dois réfléchir. On va faire ça. Travail terminé. C'est pas mal. Ça pas provoque, mais c'est pas mal parce que du coup je peux la l'utiliser pour buter, hein. Un serviteur après. En soi, c'est pas trop... c'est pas mal du tout. Et après, je pourrais poser lui. Je vais en faire un ogre.
D'accord. Qui va invoquer un ogre, et le tour d'après, je pourrai doubler les points de vie de l'ogre s'il ne s'est pas encore fait buter. Comme ça, c'est la fin du tour. Bien, bien, bien. Alors... on va faire ça. Bonjour à mon associé. Salut. Ah oui, du coup ça lui met pas là. Ah. Bon. Ouais, bah de toute façon... on va faire le choix. Et ça va être un tour. Coucou, petit aigle. Fais-moi coucou. Oui. Ah, fais coucou. Je voulais acheter un beignet. Fais quoi? Ajoute une carte. D'accord. Là, hop, je ferme la porte, j'ouvre la porte, j'éteins. Ah. Ah, il m'a buté. Mon... merde. C'était pas prévu comme ça. Ah oui, là ça m'aide pas, là. Deux points. Ça, on va cinq. Ça, c'est un serviteur non plus long. Je vais me redonner des points de vie. J'espère que ça tienne. C'était bien parti. Là, c'est dommage que ça parte comme ça. Hop, c'est éteint. C'est remis. C'est éteint. C'est remis. Jour. Nuit. Vous voulez acheter un beignet? Éteint. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Je vais mettre plus de créatures. Tac. Alors, on va lui donner plus de PV. Comme ça va juste nous faire piocher une carte. Et voilà, j'ai rien eu. Alors, dans quoi va-t-on taper? On va taper dans ça. Mais techniquement, je suis pas encore morte. Pas encore. Ah, quoique si, peut-être. Je sais pas ce qu'il a en face. Peut-être que je suis déjà morte, mais... Mais bon. Allez mon petit. Bon. Je pense que c'est terminé. C'est terminé. J'ai perdu. Ça avait bien commencé, mais ça s'est mal terminé. C'est peut-être que ça devait arriver. Ah non, même pas, j'ai pas encore perdu. Mais j'ai sûrement perdu après. Mon écho est éternel. Je suis invisible. Bah, ça va être foutu. Attends, je peux doubler deux fois. Ça peut peut-être me sauver. Je suis d'un côté. Invisible. Terminé. Ah. C'est pas encore perdu, j'ai rien dit. À moins qu'il ait une carte qui inflige directement au héros, comme moi j'ai. Et du coup, c'est foutu. C'est gay. C'est le secret que nous avons encore à découvrir. Ah non, j'ai perdu. Il est perdu. Bon bah. Terminé. Adieu. Défaite. Bon, il y a quand même une ouverture de carte à la fin. Donc, en plus, j'avais gardé les 100 pièces, ça fait un moment que je les ai, et je les avais gardées exprès, juste pour faire l'ouverture. Donc, il y a 4 boosters de l'extension Ungro et un booster de classique. Donc, on va commencer par le classique.
Alors, la rare. D'accord. Ok, mon secret. Ok, ok, ok. On va passer au Hongo. Alors, une rare. De dinomancie cruelle. Avec un serviteur à la fin. D'accord. Ok, ok. La plupart, je les ai déjà. Oh putain, je me fais attaquer par un R. Erwick. Oui. Placement de produit. Erwick, ça sent bon dans votre maison. Ça sent bon. Mais en plus, ça sent bon. Oh, j'ai une légendaire. Et c'est Lyra, l'éclat du soleil. Chaque fois que vous lancez un sort, ajoute un sort de prêtre aléatoire dans votre main. Et je la trouve bien. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire c'est de la merde. Moi, je la trouve bien. Et du coup, j'ai une légendaire. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Je suis contente. Alors. Deux fois la même dans mon paquet. Et dans celui-là. Et rare. Et je les ai déjà toutes. Je vais avoir plein de cartes à des crafts et ça va me faire plein de poussière. Donc voilà, du coup sur ce, j'ai perdu, mais j'ai quand même plein de cartes que j'ai pu vous ouvrir. J'ai une légendaire, donc j'ai pas perdu ma journée, donc tout va bien. Du coup, sur ce, laissez un petit pouce bleu. Pour dire que vous êtes content et que tout va bien dans votre vie et que c'est la fête et que le soleil c'est joli. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitter, Facebook, AS Family qui sont marqués par là comme d'habitude. Non, c'est de l'autre côté. C'est par là comme d'habitude et laissez un petit commentaire si vous êtes content et si vous voulez exprimer votre haine ou votre bonheur, faites comme vous voulez. Nous on aime bien les lire quand même. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite, à bientôt, à la prochaine, tout ce que vous voulez. Voilà, bisous !